Je disais que le nom de l'action en sa globalité. This meeting is being recorded. Coaching pour tous, c'était une action que moi aussi j'ai démarré pendant le confinement pour les élèves qui étaient à l'époque qui avaient le bac. Et donc, que c'était difficile pour eux de gérer les matières, c'est-à-dire les matières qu'ils auront en examen de la terminale ou du baccalauréat. Mais j'ai fait cette action dans le cadre de les accompagner du point de vue coaching. Et c'était vraiment une action qui a vraiment connu un grand succès. Aujourd'hui, Hanan, tu viens avec le même titre, dans la même optique. Cette fois-ci, le public ou bien la cible change, mais le but est le même, l'objectif est le même, c'est d'accompagner le maximum de gens, c'est de libérer le maximum. Donc, le maximum de potentiel et vraiment échanger. J'ai assisté à la première, j'espère que pour Madame, Monsieur Samir, c'est ça, il me dit que la voix elle est basse. Est-ce que maintenant, bon, oui, parfait. Donc, je disais que j'assistais à la dernière conférence qui portait sur l'intelligence émotionnelle et c'était vraiment magnifique. Aujourd'hui, notre thématique sera la gestion de stress. Si on, déjà, avant de passer à la thématique et d'entamer la matière, je voulais remercier Hanan vraiment. Aujourd'hui, elle a eu un petit acte médical, mais hier, avant qu'elle parte aujourd'hui au médecin, elle m'a confié la tâche, elle m'a délégué le fait d'être haute sur la plateforme et de m'encourager, me souhaiter sincèrement une personne avec cette notion d'altruisme en plein concentration avec le médecin. Et on se rend compte du coaching pour tous et de la thématique qui aura lieu le lendemain, sincèrement, chapeau bas. من هذا المنبر زعما دعاء نتمنوا لك دعاء العاجل بالشفاء العاجل حنان وفريمون فريمون tu es une coach pas comme les autres je le dis toujours زعما الله يعطيك صحتك والله يحفظك اللي عز عليك والله يخليك لوليداتك دونك je reviens يحفظك الله يحفظك ام الزهره ميرسي بوكو sincèrement j'étais émue البارح parce que c'est pas parfois on va le voir aujourd'hui on va le voir entre professionnel et entre la vie personnelle, il y a toute une balance, tout un équilibre qui doit se faire. Mais hier, en ayant tes messages, j'ai dit que il y a des gens qui font les choses dans les règles de l'art, il y a des gens qui font les choses par amour et vraiment, ils sont passionnés et épanouis par ce qu'ils font. Donc, je te remercie encore une fois et je remercie le public qui assiste aujourd'hui ou bien soit les collègues, soit les personnes qui sont intéressées par le coaching, soit les personnes qui sont déjà des coachs. Vraiment, merci beaucoup d'être là. Merci parce que lorsqu'on s'accueille aux enfants, vous avez dit, et ça a été énoncé depuis le départ du programme, aujourd'hui, on va avoir une thématique qui est très, très, très importante, qui est la gestion de stress. Qui d'entre nous n'est pas stressé. Qui d'entre nous n'a pas de temps de se propager et qui de pousser comme des champignons, que ce soit chez les grands ou les moins grands, les adultes, les adolescents, tout le monde commence à parler de cette notion de stress. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut gérer ce stress. Le mot gestion, ce n'est pas choisi au hasard. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on va gagner le stress ou combattre. Non, on n'est pas dans une guerre. Le stress, on va le voir, on va voir sa définition. C'est quelque chose de très normal.
C'est bon, le partage d'écran, vous le voyez? Oui, merci, très bien. Très bien, donc je reviens à la présentation. Donc, je disais que je vais parler un peu de stress, mais vraiment, je vais le parler. Normalement, cette thématique, je la fais en salle, je le fais en workshop, ça dépend de la demande. Aujourd'hui, j'ai préféré quand même garder le même concept. On veut avoir ce, parce que n'oublions pas qu'on est dans un cadre de coaching et pas de formation. C'est vrai que c'est une formation préparée pour vous présenter aujourd'hui, mais c'est un concept de coach. C'est-à-dire c'est le coach qui est sur cette formation et de temps je serai amené à faire de la pratique. Fidélité de. Donc sans plus tarder, je vais parler brièvement de moi-même. Comme a dit Hana, je vais me présenter brièvement. Donc je suis Madame Chifa Temzara, j'ai 38 ans, je suis mariée, maman de Hiba qui a 11 ans et Yassel qui a 7 ans. Je suis un ingénieur télécommunication, passionné de mathématiques. J'ai laissé de côté la casquette d'ingénieur dans des grandes multinationales pour exercer mon métier ou mon rêve d'enfance qui était l'enseignement. Aujourd'hui même, je suis toujours professeur de mathématiques. Entre-temps, j'ai eu un certificat en coaching scolaire de l'Académie internationale de coaching et un autre certificat de TOTAC comme étant une formatrice certifiée. Je suis spécialisée en soft skills, éducation positive et communication, que ce soit la communication professionnelle, la communication bienveillante ou non-violente. Donc, tout ce qui est en relation avec la communication. Et finalement, je viens, il y a 3 mois, j'ai honoré par le titre de docteur en santé mentale de l'Université de Floride, de USA. C'est un diplôme que j'ai préparé depuis le confinement. C'était en mode assistance. J'ai eu une entrée très intéressante qui n'était pas du tout chère. Et c'est que le digital et le mode à distance n'est pas un mode qu'on peut prendre à la légère, mais c'est vraiment un moyen aujourd'hui qui s'impose et via ou à travers lequel on peut réaliser plusieurs succès si on le prend d'une manière sérieuse. Donc, je vais vous parler des objectifs en général de cette formation, mais après, je vous passerai la parole pour vous demander, selon vous, c'est quoi un stress. Alors, normalement, après cette formation, on doit être capable d'identifier les sources du stress dans vos vies, parce qu'il y a une phrase, dans nos vies, dans notre vie en général, on doit être capable d'identifier les sources du stress. Bien. Après, on va voir les symptômes du burn-out et de la surcharge. Parce que qui dit stress, qui n'est pas bien traité ou bien géré, parce qu'à un certain moment, quand le stress arrive à un maximum, ça devient parfois c'est des dépressions, parfois c'est un burn-out, parfois c'est un surmenage. Donc, que ça soit l'un ou l'autre, on doit être vraiment conscient du stress pour mieux le gérer et éviter de tomber dans un burn-out, d'accord, ou une surcharge. Après, pour atteindre cela, il faut changer des comportements qui amplifient le stress. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques qu'on fait au quotidien qui nous permettent ou nous poussent à être plus stressés. Lorsqu'on va essayer de changer nos comportements ou nos habitudes, on va apporter bien sûr des changements aux situations qui peuvent être influencé, c'est-à-dire parfois on n'est pas concerné par le stress. Il y a des gens à côté de nous qui sont stressés et ça nous influence. Si on n'arrive pas à faire on s'isole, je dis ça, une isolation ou bien être vigilant de ces personnes qui sont soit négatives ou bien carrément toxiques. Après, on va développer des réponses positives aux situations qui ne peuvent pas être changées. Parce qu'il y a des situations qui sont difficiles, parfois critiques, parfois en cours de transition ou change dans une grande société ou une petite. C'est des cas de crise carrément. On ne peut pas les changer, mais on peut développer une vision positive à la chose. Développer des stratégies pour éviter d'être submergé. Donc, si on parle du milieu professionnel, c'est ou avec la vie personnelle, on essaie de faire des stratégies et de voir des priorités dans notre vie, sinon on sera submergé et on ne saura pas par quoi commencer ou par où commencer. Et bien sûr, être plus assertif, et on va voir c'est quoi assertif, appliquer les techniques de relaxation. Donc ça, c'est des objectifs normalement que je cible aujourd'hui, enfin que je vise pour mes participants. Et je veux que de l'autre côté des écrans,
que vous ayez cet engagement avec moi durant cette formation ou ce workshop afin qu'on développe le maximum de techniques pour être d'abord conscient de la situation de stress et puis mieux le gérer. Bien. Avant de partager avec vous mon agenda ou notre to-do list d'aujourd'hui, je veux vous, si vous pouvez pas, je vais laisser à Han la responsabilité de gérer les micros. Si je vous demande, pour vous, c'est quoi un stress? Qui peut me répondre, s'il vous plaît? Alors, un volontaire ou une volontaire qui peut nous répondre, c'est quoi pour vous le stress? Le mot stress, parce qu'on l'utilise aujourd'hui à tort et à travers. Il y a même des enfants qui achètent maintenant on appelle ça les pop-its, et quand tu demandes à l'enfant pourquoi tu achètes ces jeux, il te dit c'est anti-stress. C'est un enfant qui n'a rien, qui n'a pas de responsabilité, qui n'a pas d'engagement, il est stressé. Donc aujourd'hui, selon vous, c'est quoi le stress? Oui, je peux prendre la parole, vous m'entendez? Bien sûr, madame. Oui, alors bonjour Fatima Zahra, c'est Nathalie Rocamora, c'est moi qui avais fait la conférence sur l'intelligence émotionnelle. Merci de ce feedback que j'ai apprécié. Oui, bonjour Anne. Oui, j'ai assisté, elle était magnifique. Merci beaucoup. Merci d'être là. Bonjour Anan, je te souhaite beaucoup de bonnes choses et un bon rétablissement. Merci Nathalie, merci beaucoup. Et bonjour à tous les autres participants. Alors pour moi, le stress, je dirais que c'est une peur. Une peur, c'est en tout cas le mécanisme s'apparente à la peur. Peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre son ego. Voilà, je dirais que c'est un sentiment lié surtout à l'émotion de la peur. C'est vrai. Effectivement, Nathalie, merci pour ta réponse. Il y a une grande relation entre le stress et la peur et c'est vraiment très lié, tout à fait. Et je te remercie pour ta présence et pour ta participation. Qui peut me répondre ce que Nathalie vient de dire est bon? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, on va essayer d'avoir le maximum de retours, comme ça pour faire de la co-construction et travailler ensemble sur la notion de stress. Comme ça, vous êtes de plus en plus conscient de ça. C'est quoi exactement? Donc, si quelqu'un d'autre veut nous donner une réponse. Alors, si personne ne veut donner, je vais appeler quelqu'un au hasard et lui donner. Déjà, j'ai une réponse sur le chat. Je crois que c'est Raja qui a dit que… Alors, un instant, je vais voir. Le contrôle émotionnel égale stress. Si j'arrive pas à me contrôler émotionnellement, alors là, je tombe dans un stress permanent. Oui, et Nathalie peut le confirmer. Elle a assuré donc la formation de l'intelligence émotionnelle, il y a une grande liaison entre le stress et la gestion d'émotions. Comme a dit, la peur fait partie ou une résultante d'une mauvaise gestion d'émotions et donc du coup le stress est là. C'est une réponse qu'on peut prendre en considération. Qui d'autre qui a quelque chose de différent à part la peur, à par la gestion d'émotions, c'est quoi exactement le stress? C'est une sensation, une réaction, résultat d'une pression ou action inhabituelle. Donc, Madame Noufissa nous dit que c'est un résultat d'une pression ou une action inhabituelle. Oui, effectivement, suite, par exemple, suite à un choc, ou comme a dit Nathalie, une peur, on peut subir un stress ou bien avant des examens ou avant des challenges, on est stressé. Même les grandes stars, les grands présidents, les grandes personnalités publiques, quand ils ont un speech à donner à un grand public ou devant la télé, ils ont du stress. Mais la différence, c'est la personne qui sait gérer son stress. Tout le monde a le stress,
on va dire que c'est une réaction plus ou moins naturelle, mais qu'on ne doit pas avoir pour une longue durée. Ça doit se gérer donc, dans les premières minutes peut-être de notre intervention ou notre challenge ou avant notre examen. Bien. Donc, ne pas être à la hauteur des exigences. Hein. C'est Mme Officer qui nous donne cette réponse. Avant, c'était Mme Rieslen qui parlait d'une pression. Et il y a M. Samir, le stress pour moi de réaliser mes objectifs d'une manière... Donc, pour M. Samir, il le lie directement à l'atteinte des objectifs. Donc, déjà, il le cerne. Bien. Cela veut dire, M. Samir, que vous n'êtes pas stressé dans votre vie personnelle, non? Alors, est-ce qu'il y a une autre réponse? Non, je crois que c'est tout. C'est très bien. Donc, tout ce que j'ai eu comme réponse est vraiment pour Mme Asma. Elle me dit qu'il existe deux types de bon et le mauvais. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Donc, normalement, le stress, s'il est bien géré, il reste naturel. On ne va pas dire qu'il est bon, mais il reste quelque chose de naturel. C'est-à-dire, une fois qu'on... Je donne toujours le même exemple. J'ai une formation maintenant ou un workshop que j'ai animé plusieurs fois. Mais avant de rentrer en live, j'ai un petit stress. Parce que déjà, je ne connais pas le public. C'est une nouvelle expérience pour moi. C'est un nouveau challenge. Et donc, c'est normal que je vais avoir un petit stress. Mais une fois dedans, l'expérience et la technique m'aident à gérer mieux mon stress. Comme ça, je l'ignore. Je le mets de côté, je travaille. Donc, c'est ça. Et c'est en fait, ça résume ce que Mme Asma a dit. Si il est bien géré, il restera bon. Donc, il stimule la motivation et tout ça. Mais s'il est mal géré, il devient mauvais. Et il devient, je l'appelle moi, un frein de réussite. Parce que le stress et la peur, comme a dit Mme Nathalie, ce sont deux freins majeurs de notre réussite, que ce soit dans le domaine scolaire pour les élèves ou pour nous, les adultes, dans le domaine professionnel ou même à la maison pour nos projets personnels. Donc, je vous remercie pour votre interaction et on passe maintenant à notre, comme je viens de dire, notre... Donc, vous voyez toujours mon écran, c'est ça? Non, Fatel Zahra, il n'est pas partagé ton écran. Alors, un instant, je vais essayer de le refaire. Voilà, maintenant, c'est bon? Oui, merci. Parfait, je t'en prie. Donc, Hanan, merci. Donc, voilà, j'ai présenté l'agenda sous forme d'une liste qu'on va essayer de faire aujourd'hui, qui est étalée sur plusieurs points. Normalement, en salle, on fait pas mal de points sous forme d'exercices ou d'ateliers, mais je vais essayer de mon mieux de rendre la matière beaucoup plus pratique que de lire ou d'échanger comme ça. Donc, d'abord, on va définir le stress selon ce que vous venez de dire parce que toutes les réponses étaient bonnes. Je passe par après à l'estime de soi et la définition d'attente réaliste. C'est ce que M. Samir vient de dire. Parfois, soit on est attaché aux attentes ou bien aux résultats ou bien on a des projets et on a des chiffres et donc tout ça peut nous stresser. Ou de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'estime de soi. Cette estime, si elle n'est pas bonne, c'est-à-dire forte, on aura un problème. Après, on va voir gérer les émotions. Et ça, c'est vraiment, je vais passer brièvement parce que Nathalie a vraiment donné le maximum de maximum dans ce sens. Mais je vais faire un petit rappel sur la liaison entre les émotions et le stress. Après, bien agir face aux émotions des autres. Parce que je vous dis, on est préparé, je me contrôle, je gère. Mais je ne suis pas seule dans la vie. Je vis dans une société. Et donc, je dois soit agir ou réagir ou interagir. Et donc, si je ne gère pas mes émotions dans un groupe, ça va être difficile pour moi aussi. Puis, il y a la résolution efficace des conflits. Parce qu'on ne peut pas imaginer une vie sans conflit ou sans, je vais dire, soit des problèmes, soit des oppositions. Et donc, ici, si je n'arrive pas à avoir une résolution efficace, à chaque fois, j'aurai du mal
à gérer mon stress parce que ça va engendrer du stress. Et après, ça peut même atteindre des dépressions ou vraiment des pathologies qu'on ait. Si on arrive à mieux cerner le problème dès le départ, on n'arrivera pas à des résultats critiques. Après, on va voir la gestion efficace du temps. Ça, c'est un pilier de la gestion de stress. Parce que si je n'arrive pas à organiser mon planning, à travailler en tâches et en priorité, je ne saurais pas gérer mon stress. Parce qu'à un certain moment, j'aurai 3-4 tâches en même temps et je stresse. C'est une résultante directe et naturelle. Donc, puis, on va voir l'assertivité et on va voir c'est qui l'assertif et c'est quoi ce mode d'emploi. Comprendre la différence entre la performance et la résistance. Ce sont deux choses complètement différentes. Une mène à l'excellence et au calme, et l'autre mène au stress et bien sûr à la peur. Éviter le burn-out, parce que si je n'arrive pas à gérer mon stress à long terme, ça devient un burn-out. Et si on ne le limite pas, ça devient carrément une dépression. Et là, je vais faire la balance, ou bien une petite prise de conscience entre la vie privée et la vie professionnelle. Et je vais finir par quelques conseils et des techniques de relaxation. Donc, je vais pas lire, je ne suis pas là pour lire, mais plutôt pour essayer de co-construire avec vous c'est quoi le stress. Et donc, vous avez répondu presque chacun a répondu de sa vision de choses. Aujourd'hui, je vais venir quand même par une définition qui est théorique, psychologique, parce que le stress a un contexte dans la psychologie en général. C'est le premier facteur de tout ce qu'il y a après, que ça soit le burn-out ou la dépression ou même la manie ou bien sur les pathologies ou bien n'importe quel problème psychologique, on trouve qu'il y a derrière une partie qui s'appelle stress. Et donc aujourd'hui, je vais le définir comme étant une tension nerveuse et le syndrome général d'adaptation, c'est-à-dire lorsqu'on ne peut pas s'adapter, on stresse. Il provient d'une difficulté à gérer sur un long terme, une tension au niveau physique et psychique. Et c'est là le problème, parce que ça commence dans un premier temps en psychique. On sait qu'on n'est pas bien, on est perturbé, mais après ça peut atteindre le physique. Hein. Et donc c'est là où on doit être très, très vigilant. Il correspond à une forme de déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Donc, c'est la contrainte entre moi, ce que je vois, ma perception des choses, et ce que l'entourage a comme perception. Et si on n'arrive pas à gérer ça fluidement et implicitement, c'est-à-dire en harmonie, on aura un blocage et on sera stressé. Nous pourrions aussi définir le stress comme un état de tension chronique, à la fois physique et psychique. Donc, c'est normal que c'est une tension qui est vraiment très chronique. Ce n'est pas une tension normale qui passe, qui découle d'une façon inadéquate de gérer la pression. Et cette fois, c'est psychique. Parce que je dis qu'au niveau de la psychologie, ça commence... Du psychique vers le physique, pendant une période prolongée. Et le temps a un rôle très, très, très important pour le stress. Les personnes qui s'habituent et qui considèrent le stress comme une, soi-disant, ils s'habituent et c'est une zone de confort pour eux, où moi, je gère mon stress et je m'adapte avec les situations de stress, c'est pas un bon repère, c'est pas un bon indice. Vous allez continuer et prolonger la période de stress et ça va mener à des problèmes sérieux côté psychologique. Plusieurs ingrédients sont nécessaires pour créer du stress. Donc, je ne sais pas si la définition vous paraît claire. Alors, si vous arrivez, s'il vous plaît, à désactiver vos micros. Très bien. Voilà. Je disais que normalement, j'ai essayé de faire une définition très détaillée. Comme ça, on a cette notion
qu'il s'agit de plusieurs facteurs, c'est-à-dire la conception, une tension, conception, ma conception, la conception des autres, la pression, le temps, tout ça, psychique, physique, tous ces mots, ou bien ces concepts, ou ces paramètres, vont nous mener vers un seul chemin qui est le stress. Bien. Alors, les signes du stress, quels sont les symptômes du stress? Avant de passer, donc, on vient de définir c'est quoi le stress. Ce n'est pas suffisant. Lorsqu'on définit une maladie ou un problème ou une contrainte, est-ce que c'est tout? Non. On doit passer aux signes. Qu'est-ce qui dit que chez cette personne, on peut dire qu'il est stressé ou qu'elle est stressée ou pas? C'est vraiment d'abord observer et puis détecter. Alors, les réactions aux facteurs de stress peuvent se manifester par la névrosité. Donc, les personnes qui sont nerveuses ou bien, chaque fois, on voit des réactions qui ne sont pas attendues. C'est-à-dire, on peut faire une petite dispute, on part d'un petit conflit, et on a la personne qui réagit vraiment très fort, en toute nervosité, pardon, donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a de l'irritabilité, c'est-à-dire on sent qu'il n'est pas stable, l'insomnie, c'est des personnes qui se tapent des nuits blanches, ou bien ils dorment à 3 heures, et on va revenir à ce problème de dormir tard. La fatigue, les migraines, l'anxiété, et donc la réponse prend parfois une forme plus aiguë. Donc, on observe alors des ulcères de l'estomac parce que, figurez-vous, en psychologie, les névroses psychologiques mènent vers des problèmes physiques, c'est-à-dire des pathologies physiques. Et donc, ça commence par des idées, après c'est des nuits blanches, des insomnies, problèmes hormonaux, on a un déséquilibre au niveau de la production des hormones, et ça attaque directement l'estomac. Sincèrement, j'ai vu tous les résultats d'études ou de recherches scientifiques sur tout, on va dire les névroses et les psychoses, ça mène vers l'estomac parce que l'estomac, figurez-vous, contient un nerf qui passe dedans. Et c'est vraiment quand on est dans un cas d'anxiété ou de stress ou de dépression, ce nerf n'est pas dans son bon état et il commence à pousser vers soit des ulcères, soit des inflammations au niveau d'estomac, donc l'estomac est le premier organe qui peut être touché suite à ça. Et donc il y a d'autres problèmes comme l'hypertension, des tumeurs parfois. Et croyez-moi, la majorité de tumeurs, et il y a pas mal de recherches qui ont été menées au niveau des laboratoires d'oncologie, la source et le départ des tumeurs, c'est vraiment de l'anxiété et du stress. C'est des personnes qui n'arrivent pas à prendre les choses à la légère, à se calmer, ils pleurent, ils stressent, ils sont tristes, ils se culpabilisent, au lieu d'externaliser, ils internalisent, c'est-à-dire ils ne sont pas dans le partage et dans la communication. Et donc, ça mène directement vers des tumeurs. Et j'espère que ça ne sera pas notre cas un jour. Je ne parle pas de la maladie. Je parle de toutes les maladies physiques. On veut bien, si par exemple on a un jour un problème physique, que ce soit vraiment lié à des causes physiques. Mais le psychique, quand on n'a pas cette notion ou cette conscience de prendre soin du psychique, c'est un peu malheureux parce que c'est tout le corps qui va souffrir. Et donc, attention, avant de poursuivre, il serait préférable de connaître quand même votre niveau de stress. Oui ou non? Et donc, c'est la raison pour laquelle on va faire ensemble un petit test. Est-ce que vous êtes d'accord? OK. Très bien. Alors, tout le monde, j'ai 13 questions à vous poser, d'accord? Suivez avec moi et notez, s'il vous plaît. Notez les réponses. Soit on va faire de 1 à 13, que ces réponses, jamais, parfois, souvent, toujours. Donc, vous allez noter soit jamais, parfois, souvent, toujours. Par la suite, on va compter le nombre, soit de jamais ou de parfois, on verra le résultat. On est d'accord? OK, ça marche. Prêt. On commence. Si tout le monde est prêt, on peut commencer. Donc, 3, 2, 1, top chrono. Alors, première question,
vous êtes irritable ou de mauvaise humeur. Je parle maintenant. Est-ce que maintenant vous êtes de mauvaise humeur ou bien vous êtes irritable? Donc, si ce n'est pas le cas, vous ne faites jamais ou bien parfois, souvent, toujours. Pourquoi on pose cette question maintenant? Parce que si, ça dépend de votre humeur de la journée ou bien des derniers jours. Je vous laisse 2 secondes pour répondre. C'est bon, je passe à la deuxième question. Très bien. Deuxième question. Vous trouvez que les autres attendent trop de vous? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est parfois, souvent ou toujours? Donc, je répète la question. Vous trouvez que les autres attendent trop de vous? Bien, je passe à la troisième. Vous vous réveillez plus tôt que d'habitude? Jamais, parfois, souvent, toujours. C'est-à-dire, votre heure de réveil normale, c'est 8 heures, par exemple, ou 7 heures du matin. Est-ce que ces derniers jours, vous vous réveillez à 6 heures, 5 heures du matin? Est-ce que ça vous arrive? Ça vous arrive jamais? C'est souvent ou bien c'est parfois? Quatrième question. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas répondre aux exigences des autres? Alors, est-ce que vous avez l'impression de dire que les exigences des autres, vous répondez ou vous ne répondez pas? Alors, c'est soit jamais, parfois, souvent, toujours. Je passe à la cinquième question. Vous avez des difficultés pour vous endormir ou vous vous réveillez pendant la nuit, c'est-à-dire la qualité. Soit vous avez un problème d'anxiété, vous ne dormez pas, ou carrément vous dormez, mais la qualité du sommeil n'est pas bonne et vous vous réveillez pendant la nuit. Est-ce que c'est souvent, c'est parfois ou bien toujours? Sixième question. Vous ne savez pas par où commencer. Là, c'est un problème purement travail. Quand on a le travail avec la vie personnelle et on a des tâches et parfois on veut pas, on n'a pas cette visibilité. Est-ce que je priorise le travail ou c'est à la maison? Ou c'est parfois même à la maison, on a pas mal de problèmes, ou bien on a soit les enfants, un des enfants qui est malade, l'autre qui a besoin que vous l'accompagnez au lycée, les parents qui attendent que vous, peut-être une course. Donc plusieurs tâches à la fois, et donc vous ne savez pas pour où commencer. Donc est-ce que ça vous arrive? Oui ou non? La septième question. Vous vous sentez seul alors que vous êtes entouré de monde? Ça, c'est une question très, très importante. Si on est dans un groupe, on est en équipe, on est chez nous, et vraiment on sent cette solitude dedans, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on veut rester focalisé sur ce stress qui nous dérange à un point d'ignorer l'entourage. Ça, est-ce que ça vous arrive? Est-ce que c'est parfois, souvent ou toujours? Donc, la huitième question, à la fin de la journée, vous avez l'impression de n'avoir rien fait. C'est-à-dire, vous faites ce que vous pouvez faire. Mais en fin de journée, vous avez ce sentiment de « mais c'est, j'ai rien fait, c'est quoi ça? C'est pas grand-chose. » C'est la sous-estimer ce que vous faites. Ça a une relation directe avec l'estime de soi, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est bon? Puis, je passe à la neuvième. Pendant vos vacances, vous avez beaucoup de mal à penser à autre chose. C'est-à-dire, vous êtes en vacances, mais vous êtes concentré sur autre chose. Vous ne vous amusez pas, vous ne mettez pas le travail de côté, vous êtes stressé, vous regardez peut-être le calendrier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Est-ce que ça vous arrive? Jamais, parfois, souvent ou toujours. La dixième question. Vous ne pouvez pas parler de vos problèmes à la maison. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des problèmes du boulot, mais ils ne peuvent pas les avoir à la maison. Normalement, c'est une bonne chose. Mais parfois, on n'a pas une personne, c'est-à-dire ça, là, une confidence, c'est-à-dire là où on peut
être tranquille si on parle avec elle. Et il n'y a que la, pour l'homme, c'est la femme qui peut assurer cette mission, ou le contraire. Mais est-ce que vous êtes le genre qui ne peut pas parler de ses problèmes à la maison? C'est-à-dire, il les laisse dehors. C'est toujours, c'est souvent, parfois ou jamais. Troisième question. Il est dur pour vous d'assumer cette grande responsabilité à la maison ou au travail? C'est-à-dire, quand vous avez des responsabilités, vous vous sentez dépassé, soit à la maison, soit au travail. Ça vous arrive toujours d'avoir ce sentiment, ou bien parfois, ou bien souvent? Deuxième question, vous avez une grande pression au niveau du temps qui influence votre qualité de vie et de travail. Ça, c'est vraiment un problème de gestion de temps. Et quand on n'a plus de temps, les personnes qui préparent leur projet à la dernière minute, qui préparent les lunchbox des enfants le matin, qui laissent tout le travail à la dernière minute, ils sont toujours en stress. Parce que c'est un problème au niveau de la gestion de temps à la base. Est-ce que ça vous arrive tout souvent ou parfois ou toujours ou jamais? La dernière question, vous avez des tensions musculaires, maux de tête ou des problèmes digestifs? Est-ce que ça vous arrive dernièrement? Et si oui, quelle est la fréquence? Je vous invite à répondre à la dernière question et par la suite, calculer le nombre de jamais, le nombre de fois, parfois, le nombre de souvent et le nombre de toujours pour voir. Donc, je ne peux pas vous donner les résultats individuels, mais j'ai donné les quatre résultats, c'est-à-dire si on a un maximum de jamais, si on a un maximum de parfois, si on a un maximum de souvent et si on a un maximum de toujours. On est d'accord? Alors, est-ce que vous êtes d'accord et vous êtes prêts pour passer aux résultats? Oui, oui. Parfait. Avant de partager avec vous les résultats, permettez-moi d'abord de voir avec des participants aujourd'hui qui peuvent se porter volontaires pour partager avec nous leur expérience, leur feedback par rapport à ce test. Comment vous avez trouvé le test? Est-ce que les questions ont été vraiment très ciblées? Est-ce que vous avez senti qu'en répondant à ces questions, vous parlez du stress? Qui peut me répondre, s'il vous plaît? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, madame. C'est madame Rizlen. Salut, Fatoum Zahra, c'est Rizlen. Ça va? Tu vas bien? Oui, merci beaucoup. Donc, dans mon cas, quand j'étais en train de répondre à vos questions, je me sentais stressée car j'ai un problème de son, donc je n'entends pas très bien. Donc, je me sentais stressée même en répondant à ce test. En répondant aux questions, vous étiez stressée, c'est ça? Oui, oui. Parce que j'étais un petit peu concentrée sur la réponse. Et sur bien entendre la question. Oui, donc, la question, oui, je comprends. Par contre, est-ce qu'en répondant, c'est-à-dire en répondant aux questions, vous trouvez que vous vous approchez de la réponse? Et bien sûr, est-ce que Mme Rizlen est stressée ou pas? C'est-à-dire maintenant, avec les résultats que vous avez, vous voyez, est-ce que vous êtes stressée ou pas? Oui, oui, bien sûr. Oui, je vois que je suis très stressée. Oui. Très stressée. Parfait. On va voir le résultat que vous avez. On le compare avec le résultat du test psychologique. D'accord? Bon, merci beaucoup, madame. Merci à vous. Qui peut me répondre, qui peut me partager avec nous son expérience par rapport au test? Donc, moi, je peux partager, Fatima Zahra, c'est Nathalie. Bien sûr. Écoute, je trouve le test assez pertinent en termes de questions. Je trouve qu'il ressemble, les questions sont assez ciblées, assez simples. Mm-hmm. Voilà, qu'elles soient dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, je trouve. Alors, en ce qui concerne moi personnellement, tu sais, comme je suis coach, je travaille pas mal sur moi, donc le stress... on a plein d'outils, nous les coachs, pour à notre disposition
pour le gérer, donc la supervision, la thérapie. Donc, sur 13 questions, j'ai deux parfois et tout le reste, c'est du jamais parce que j'ai compris qu'il fallait effectivement avoir une hygiène de vie parce que quand tu accompagnes les personnes, tu ne peux pas te permettre toi-même en tant que coach ou formateur, formatrice d'être trop stressé, sinon tu vas transmettre ça. Donc voilà, maintenant je trouve ce test assez intéressant, je t'avoue. D'accord. Je suis preneuse d'ailleurs de ces questions. Je les partage parce que, avec toi. Parce que j'en ai une, mais différemment. Et je pense que le tien est un peu plus simple et peut-être orienté plus perso. Peut-être que les gens, je ne sais pas ce que pourraient penser les participants. Peut-être il y a un côté plus personnel, peut-être. Voilà, oui, Madame c'est mon fil. Madame Moline confirme. Oui, Nathalie, merci beaucoup. En fait, Madame Moline nous confirme que les questions sont très pertinentes et qui nous mettent face à nous-mêmes. Ça veut dire que c'est simple et c'est personnel. En fait, les questions ont été choisies, c'est un test psychologique confirmé, ça d'une part. D'autre part, les questions ont été choisies dans une optique du contenu, c'est-à-dire les volets sur lesquels je vais travailler aujourd'hui. C'est pour cela, avant de les entamer comme étant des définitions ou des solutions, il faut d'abord la prise de conscience. Parce que si je n'ai pas fait ce test au départ, vous serez peut-être dans, quand on va faire les modules ou bien les techniques, vous dites oui, je fais ça. Mais avec un test, on est beaucoup plus, c'est comme le miroir. On se remet en question, est-ce que c'est, dans cette situation, je fais ça ou je fais ça? C'est vraiment cette prise de conscience qui m'intéresse. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut partager avec nous son expérience avec le test? Déjà, oui, le test. Le test de quoi? Oui, c'est le Hussein. Oui, c'est le Hussein, on vous écoute. S'il n'y a pas un volontaire ou une volontaire, je vais passer pour partager avec vous les résultats. Mais je vais quand même faire un tour. Pour tous les, je vais donner la parole à tout le monde. Si les personnes ne se sentent pas à l'aise au micro, ils peuvent écrire. J'ai besoin de vos feedbacks, c'est-à-dire à travers vos résultats, j'ai besoin que tout le monde me réponde. Est-ce que je suis stressée ou je ne suis pas stressée? On commence par, je vais faire la liste pour voir, pour choisir d'une manière aléatoire. Alors. On va voir Madame Dineuve. Selon vous, donc tout le monde. Coach Iman, elle dit qu'elle est stressée. D'accord, merci Iman. Madame Rizlen. J'ai déjà dit, je suis stressée. Stressée, bien. Madame Nathalie, en ses qualités de coach, avec l'expérience, avec la thérapie et tout, elle est en plus ou moins... pas stressé parce que normalement, nous, les coachs, nous devons donner l'exemple, bien sûr, et accompagner et donner cette bonne image de pratique. Madame Imen, d'ailleurs, bonsoir Imen, je suis très contente de te voir aujourd'hui parmi nous. Bonsoir Fatem Zahra, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, je te remercie infiniment. Merci beaucoup, ça fait plaisir de te voir. Moi alors, aussi. Tu dis que tu es stressée, n'est-ce pas? Ça dépend, je suis stressée dans des situations, c'est pas tout le temps, donc il y a des situations qui me stressent, par exemple lorsqu'il y a beaucoup de travail et il y a un encombrement de travail, donc je suis stressée. Comme tu dis, lorsqu'on a une formation à présenter, on est un peu stressé avant, mais sinon après ça va. Mais actuellement, maintenant, je ne suis pas stressée, je suis zen. Très bien, c'est une séance, tu coaches aussi, tu as les techniques, tu as ta boîte outils, mais parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois, on a des formations, on a de la préparation, des nouveaux challenges, on est stressé. C'est la nature humaine. Exactement.
Merci beaucoup pour le partage, Iman. Je pense à Asma. Asma dit qu'elle est stressée. Hanan, l'exemple, bien sûr, elle n'est pas du tout stressée. Zineb, elle dit qu'elle gère bien sans stress, alhamdoulilah. Elle aussi, c'est une coach. C'est magnifique. Monsieur Mustapha. Monsieur Samir dit qu'en ces moments, je ne suis pas stressée, alhamdoulilah. Mais en quelques mois, oui. Donc, la prise de conscience vous a poussé à travailler sur vous-même et vous n'êtes plus stressé, c'est une bonne chose. Si Mustapha, Nezha, il me reste Nezha et c'est Mustapha et c'est Hussein. Donc, c'est Youssef, en ce moment, non, parfait, c'est magnifique. C'est Hussein et Madame Nezha, enfin, ma chère amie. Oui. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah Nezha, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, Fatima Zahra, labas alik. Merci beaucoup pour cet excellent exposé. Merci à Hanan, très très bon rétablissement pour elle. Ben, j'ai une remarque. Déjà, merci. Je vais dire, j'ai un peu de stress. Je ne vais pas dire je suis stressée, mais je vais dire j'ai un peu de stress pour ne pas m'identifier au stress. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une remarque. Je pense qu'on n'a qu'à répéter les deux choses et se sentir... voilà, la différence quand on dit « je suis », donc je suis associée au stress, je suis identifiée au stress, et quand je dis « j'ai un peu de stress ». Mes amis, je ne vous cache pas que j'ai du stress en ce moment. Je passe par des moments difficiles avec des maladies des membres de la famille, donc voilà. J'ai du stress en ce moment, malgré ce que je fais, malgré des techniques, etc. Je suis un peu dépassée, mais voilà. Merci beaucoup pour ce test et pour cet apprentissage. Merci beaucoup. Vraiment, je vais te dire une petite chose pour sortir un peu du cadre. Je suis très jalouse de ta bibliothèque derrière, mashallah. Merci. Elle est vraiment magnifique et on merci sait que beaucoup. Tu es magnifique. Inch'Allah, beaucoup de courage pour toi, pour accompagner les personnes qui te sont chères, pour les aider à surpasser leur stress et bien sûr, surpasser la période difficile que tu endures maintenant. Mais Inch'Allah, ça va passer, bi'idnillah. Merci beaucoup et je lance vraiment une invitation à Hanan et à toi, Fatem Zahra. Venez à El Jadida, ça nous fera vraiment plaisir voilà, de partager des choses en équipe et en présentiel. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je reviens vers le test, les résultats. Quand vous, déjà, on est les coachs, que ce soit Iman, Nezha, Hanan, Rizlan, on est de la même école, de la même académie de formation. Et vraiment, on a ces réflexes assistés à nos collègues, amis. On travaille en équipe, on s'entraîne. Même si le concept est professionnel, mais même si, par exemple, Hanan, je l'ai vu deux ou trois fois dans ma vie, dans des rencontres, mais vraiment, on sent que quand on parle ou on discute ou on partage, c'est vraiment que c'était hier. La même chose pour Nezha, la même chose pour... Et j'espère que pour ce groupe aujourd'hui, on sortira ici, d'ici, que ce soit pour la gestion de stress ou pour toute l'action coaching pour tous, on développera ses compétences. Nezha vient de dire qu'on ne peut pas dire « je suis stressé » parce que c'est une identité. Le « je » est fort. Quand je le lis à quelque chose de négatif, je l'approprie et donc elle a raison. C'était une remarque pertinente. Je préfère dire « je vis en stress, je subis un stress, mais pas « je suis stressé ». Je suis d'accord, c'est une bonne remarque. Je n'hésiterai pas à prendre donc, note de ça lors de ma prochaine préparation. Pour vous, merci beaucoup pour le partage. J'avoue que le retour ou vos feedbacks reflètent la vie, reflètent la réalité. On est différents, on travaille dans des milieux différents et on est dans nos étapes de vie, des étapes de vie différentes. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont encore célibataires peut-être, qui ont un boulot ou bien un travail et qui sont concentrés sur ce travail. Pour eux, le stress est lié au travail et peut-être un peu à la vie personnelle. D'autres, des parents. Et maintenant, il y a ou bien mariés avec des enfants.
ce sont des priorités qui s'ajoutent et ce sont des responsabilités qui s'ajoutent. Il y a d'autres qui ont déjà les enfants qui sont grands, qui travaillent. Et donc, le changement ou l'ordre prioritaire change. Et en changeant ces priorités dans notre vie, le stress change. C'est la raison pour laquelle toutes les réponses n'étaient pas du tout, ne se ressemblaient pas. Il y a les coachs qui ont dit qu'on sait comment gérer nos stress, parce qu'on a les techniques, on est habitué, on fait la thérapie. Il y a d'autres qui disent que, comme Madame Imen, oui, je gère mon stress, mais actuellement, je sais stresser. Même ça, en sa qualité de médecin, de coach, de formatrice, mais quand même, vu qu'il y a des épreuves dures dans son entourage, elle sent le stress. Et donc, à travers toutes ces réponses, on va voir les résultats du test. Et on enchaînera sur qu'est-ce qu'on va faire. C'est ça le plus important. Parce qu'aujourd'hui, on doit sortir tous ou toutes en ayant une petite boîte à outils de techniques pour éviter le stress. Bien. Et donc, je reviendrai vers ma présentation et je partagerai avec vous les résultats. Donc, ici, si on a que des... vous n'êtes pas particulièrement stressé. C'est-à-dire... Ici, on a entre 13 et 31 points, c'est-à-dire on a répondu, on n'est pas dans le stress, on ne dit pas toujours, non, c'est vraiment jamais. Vous n'êtes pas particulièrement stressé, mais si vous avez parfois l'impression d'avoir beaucoup de choses à gérer à la fois, vous y arriverez généralement, bien, et cela ne dure jamais longtemps. En restant organisé, regardez, l'organisation, vous continuez à bien gérer votre vie professionnelle et privée. Si vous ressentez une baisse d'énergie à certaines périodes, vous pouvez pratiquer une séance de luminothérapie le matin. Donc ça, c'est une technique qu'on peut discuter après ou vous pouvez chercher sur Internet pour voir comment on peut la faire. Ça va vous apporter dans les moments plus intenses davantage un punch de vitalité. Bien. Le deuxième résultat. Donc, le stress, ça c'est quand on dit souvent. C'est-à-dire, on a dit jamais, c'est-à-dire pour les actions qui sont négatives, jamais ou bien parfois, ça c'est parfois. Le stress ne vous submerge pas du tout. Les jours, mais il vous rattrape régulièrement, c'est-à-dire de temps à autre, vous avez le stress. Vous connaissez de temps en temps des périodes où vous ne savez plus par où commencer ou comment arriver à faire tout ce que l'on vous demande. Même si ces périodes sont passagères, c'est-à-dire ça ne dure pas dans le temps, vous devriez faire attention à ce que le stress ne prenne pas le dessus. Essayez d'en parler autour de vous, c'est-à-dire externaliser. Que pourriez-vous changer? Qu'est-ce qui devrait changer dans votre environnement? Si vous dormez mal ou si vous vous sentez fatigué, les dispositifs tels que la luminothérapie ou au yoga ou la séphrologie ou le yoga de rire, il y a pas mal de pratiques ou la respiration ventrale, il y a pas mal de techniques qu'on peut utiliser pour avoir cette relaxation. Ou le simulateur d'aube vous aidera à mieux dormir, à aborder les journées sans stress. Ici, vous avez plutôt souvent, vous vous trouvez souvent dans les situations où vous ne savez pas plus par où commencer, où vous pensez que vous n'allez jamais pouvoir tout faire. Vous avez l'impression nul, où vous vous sentez seul face à une grande pression de responsabilité dans votre vie professionnelle ou à la maison. Attention, votre santé, il faut faire attention à votre santé. Il est temps de dire stop. Si vous avez souvent qui se répète au niveau du mot stress, il faut dire stop. Commencez par en parler autour de vous. Faites notre test pour savoir, c'est ça. Il faut faire le test psychologique, puis voir les résultats du test et faire suivre une thérapie, une solution, un accompagnement, un coach. C'est vraiment dans un concept d'un cabinet qui fait tout ce qui est thérapie, coaching, bonheur. Bien. Et donc, vous pouvez avoir des résultats pour mieux dormir, aborder vos journées sans stress. Le dernier résultat, c'est là où on est vraiment
stressé, vous vous souvent dans des situations, ça c'est ça se répète. Donc voilà, c'était ça. Donc ça, entre souvent et toujours, il y a le même résultat. Parce qu'on ne peut pas dire que vous êtes à 100% stressé, car c'est relatif. Parfois, vous êtes stressé au travail, mais à la maison, ce n'est pas le cas. Ou le contraire. Et donc, on reste toujours ouvert à ce mot « stop ». Il faut dire « stop ». Bien. Quand on parle stress, il y a des signes psychiques et des signes physiques. Je vais commencer par le physique. Pourquoi ? Parce que ça a un impact sur autre chose. Quand on parle physique, on parle fatigue, on parle nutrition, on parle digestion, on parle vue ou bien vision, on parle tout. C'est notre capital. C'est, sans physique, on ne peut pas travailler. Après, le psychique, c'est une autre philosophie. Alors, les comportements, il y a une augmentation ou diminution d'appétit, la consommation d'excitants, c'est-à-dire alcool, tabac, médicaments en excès, des somnifères, du magnésium, donc des choses qui nous poussent à éviter cette anxiété ou ce problème. Et puis, il y a l'hypertension artérielle, gincement dedans, problème digestif, tout ça est lié au stress. Selon vous, est-ce qu'il y a d'autres symptômes de tout ce qui est physique pour vous ? Vous pouvez partager avec moi quelques expériences pour les comportements physiques liés au stress ? Qui peut me donner quelque chose quand il est stressé, on va dire quand il subit un stress, quand il y a la présence du stress, il y a quelque chose au niveau de son physique, soit un tremblement, vertige, qui a subi quelque chose dans ce sens, qui peut partager avec moi. Alors, Madame Mouline nous dit douleur de dos. Oui, effectivement, c'est lié à la colonne vertébrale, c'est le nerf sciatique qui passe. Et vraiment, c'est lié parce que c'est psychique à la base. Qui peut me donner une réaction physique liée au stress? On dit tous qu'on subit du stress. La majorité était dans le stress. Qui peut me donner des exemples, s'il vous plaît? Tension musculaire, les épaules. Oui, effectivement, Madame Dineux. On sent que les épaules sont plus là où ils doivent être. On le sent, on les sent vraiment. On est dans la fatigue. Monsieur Youssef, des vibrations. Alors, je vais lire. Donc, tension musculaire, les épaules qui se nouent. Problème de l'appareil digestif, vibration des pieds, des pics dans mon cœur. Ah, ça, c'est pour Monsieur Mustapha. Pour le cœur, ça devient beaucoup plus sérieux. Alors, digestif, alors, bouton qui apparaît sur... Oui, l'acné, la chute des cheveux, oui. Oui, effectivement, Madame Zah. Boulimie, oui, on devient boulimique. Ou effectivement, anorexie, la migraine. Tout ce que vous venez de dire sont des résultats directs et d'ordre physique liés au stress. Si on stresse, et d'ailleurs, en fait, tous les résultats sont dangereux. Si on les a d'une fréquence élevée, c'est dangereux. Tremblement, oui, madame. Par contre, je vais retenir celle de monsieur Mustapha. Quand le stress arrive à piquer le cœur, là, on le sent vraiment comme si on a quelque chose qui nous pique sérieusement. Ça, c'est vraiment, on sent qu'on subit une charge énorme de stress. Et ça risque de devenir physique. Si on prend, déjà, quand on parle cœur, il faut avoir ce réflexe de mesurer la tension. Et quand on a la tension, on vérifie s'il n'y a pas d'hypertension. S'il y a l'hypertension, il faut être vigilant du sel. Il faut faire un régime. Il faut éviter le café. Donc, il faut voir un cardio. Déjà dans un premier temps, pour être sûr que ça n'a pas touché quelque chose au niveau du cœur. Puis, la gestion de ce stress, on va le voir sur l'autre volet psychique.
Donc, merci tout le monde pour vos feedbacks et vos réponses. Alors, et ces réponses nous aident vraiment à avoir une interaction déjà, une co-construction du sujet. Bien, maintenant, on passe au comportement psychique. Et donc, le psychique, on peut avoir de la nervosité, l'anxiété, comme a dit Madame Nza, irritabilité, inquiétude, colère, frustration, amertume, dépression, estime de soi négative, tendance à l'isolement, crainte, peur et angoisse. Ça, c'est quelques exemples. Je reviens tout de suite vers vous pour voir, est-ce que vous avez d'autres signes psychiques cette fois-ci? Si vous avez constaté quelque chose au niveau du psychique, n'hésitez pas à la partager avec moi ou avec nous. J'ai essayé de mettre le maximum. Parce que figurez-vous que le stress, vraiment aujourd'hui, au niveau de la psychologie et la santé mentale, c'est numéro un. On commence vraiment à avoir beaucoup d'intérêt et on travaille, les psychologues et les docteurs, les doctorants en psychologie travaillent sur le module stress. Et donc, j'ai mis globalement la majorité de comportements psychiques. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter dans ce sens? Je reviens vers la présentation pour voir. Donc, j'ai mis un peu de tout. Donc, si vous avez des remarques, n'hésitez surtout. Mais si vous n'avez pas de remarques et vous trouvez que j'ai presque tout mis, je vais vous poser une question. Est-ce que vous sentez de temps à autre ça, une ou deux ou trois symptômes de ou bien comportements dans ce sens? Me répondre. Oui, Prisline dit oui. Qui d'autre? Rizin, c'est possible de dire quoi exactement? Tu ressens quoi exactement? D'accord, donc, peur et angoisse. Et Madame Nathalie l'avait dit, donc, la peur, quand le stress est là, la peur s'installe. Et donc, je crois que c'est normal. Et on va voir la relation entre les deux. Bien. Et donc, je reviens. Donc, merci beaucoup, Rizlane. Je reviens vers tous ces comportements qu'on a au niveau psychique. C'est normal. Pourquoi ? Le système nerveux est très sensible. C'est un système qui fonctionne dans un système global, qui est le corps humain. Le corps humain se compose de tout ce qui est physique et psychique. Et le cœur. Donc, il y a le cœur, il y a le cerveau, il y a le corps, tout ce qui est organe. Et entre le cerveau et le cœur, il y a une c'est-à-dire, il y a un signal émis, par exemple, émis du cerveau vers le cœur et vice-versa. C'est-à-dire le cœur qui... Le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la production de quoi? Des émotions ou des sentiments. Le cerveau, lui, s'occupe de quoi? Des idées. Parfois, ils sont positives, parfois, elles sont négatives ou carrément noires. Et si on développe ce problème de laisser traîner le stress, parce que c'est un problème, figurez-vous. Si le stress commence à nous gérer au lieu qu'on le gère, on va agrandir déjà le cercle ou le périmètre de ce stress qui va toucher, comme a dit Rizden, à la peur, qui va nous rendre beaucoup plus dépressifs, qui va nous rendre anxieux, inquiets, en colère, frustrés, tout ça. Mais ça touche directement à quelque chose qu'on appelle l'estime de soi.
L'estime de soi, je le donne dans un autre concept, dans un autre atelier qui est la confiance en soi. Parmi les étapes de confiance en soi, il y a la deuxième étape, c'est l'estime de soi. La première étape, c'est l'image de soi. Il y a Sora Detia, l'estime de soi, c'est Tchder Det, pour atteindre finalement la confiance en soi ou bien Tchafnes. Had Tchder Det ou bien l'estime de soi est très, 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 très important. Si on a un problème dans ce sens, croyez-moi, c'est le stress qui va gagner et qui va même nous massacrer. Comment ? D'abord, je reviens vers vous pour vous demander, pour vous, c'est quoi l'estime de soi ? Si je vous demande, pour vous, c'est quoi l'estime de soi ? Qui peut me donner une définition basique ? Moi, je vais vous donner la définition scientifique, psychologique, mais on l'utilise dernièrement dans le cadre de développement personnel. Il y a tous les coachs qui utilisent ça, il y a la confiance en qui je... Non, en fait, j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, ça rentre dans le cadre de confiance, mais on doit être très vigilant. Peut-être après, je vais voir avec Hanan, je peux vous faire la thématique de la confiance. La confiance, pour dire que j'ai confiance en moi, ça doit passer par deux étapes d'abord. Et les deux étapes sont des grands modules pardon, en psychologie ou en développement personnel. C'est quoi ? D'abord, l'image de soi. Quand je me vois au miroir, qu'est-ce que je dis ? Est-ce que je me m'aime ? Est-ce que quand je suis devant le miroir, je dis « Fatem Zahra, tu es belle aujourd'hui. Je t'aime. Tu es une personne positive. Vas-y, fonce. » Ou bien, quand je me vois, je dis « Eh ben, c'est toi encore. C'est ton visage pâle. Tu dois aller voir le médecin pour tes yeux. C'est toujours les lunettes. » Il n'y a que des idées négatives qui sortent quand on est devant le miroir. Et déjà, il faut se poser cette question. Est-ce que lorsque je suis devant le miroir, je pose la question « Qui suis-je ?» C'est déjà une chose très grave. Parce qu'il y a ça. Il y a des personnes qui ne se connaissent pas. Et ça, on peut dire qu'il a une télécommande, qu'il la donne à des personnes pour gérer ce qu'il fait. Mais les personnes qui se connaissent, il y a deux manières. Soit on se connaît positivement, soit on se connaît négativement. On ne voit que les défauts et on n'est pas satisfait. La deuxième étape, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, en coaching, et puis c'est la psychologie qui a fait ça, c'est des exercices. On ne peut pas dire, moi, hein, je suis bon. Oui. Non. Moi, personnellement, comme étant un coach, qu'est-ce que je fais ? Quand quelqu'un vient me voir, je lui fais passer un test. Et avant de passer au test, je lui demande de faire un tableau avec ses qualités, que ce soit physique ou morale, et ses défauts. Je ne dis pas défaut, j'utilise pas le mot défaut parce que le bon Dieu n'a pas... ne construit pas avec défaut, ce n'est pas une usine, on n'est pas des machines, on est dans les meilleures formes qu'on puisse imaginer. Donc, j'appelle les défauts, moi, personnellement, comme coach, je les appelle limites ou challenges pour être toujours dans cette vision positive. Et donc, mes limites, je les liste. Si je suis une personne qui liste ses points forts et ses points faibles, croyez-moi que j'ai une bonne estime de soi. C'est-à-dire, je sais là où je cartonne et je suis consciente là où j'ai des problèmes. Et je ne laisse pas les autres marquer des points. Parce que si j'ignore mes limites, il y a l'autre qui va s'amuser à m'intimider à chaque fois. Et c'est là l'exercice de l'estime de soi. Bien, donc, je crois que j'ai... Et une fois on a l'estime de soi qui est élevée, je veux dire... un bon score, automatiquement, je suis confiant. Et vraiment, c'est un exercice qui s'axe sur deux grands exercices et que je dis que c'est quotidien. Quand l'image de soi, c'est quotidien. C'est ma relation avec moi-même. C'est cette écoute de moi-même. Il ne faut pas être dans le massacre ou de... À chaque fois, je dis, tu te tais, toi, tu ne sais rien. Non, je m'écoute. Oui, qu'est-ce que tu dis, Fatem Zahra ? Comment tu as vu ça ? Et j'analyse. Une fois l'image, soit en écoutant mon corps ou bien en me regardant sur le miroir, voir cette image physique,
si je développe cette tactique de parler chaque jour avec moi-même, croyez-moi, vous allez être en réconciliation avec vous-même et l'image qui est nickel, l'image de soi. Puis vous passez à l'étape de l'estime de soi. Vous listez vos qualités et vos limites. Vous êtes nickel. Vous passez à la confiance, vous êtes confiant. Si quelqu'un vous dit que la confiance, c'est... Et croyez-moi, en travaillant sur cet atelier d'une manière pratique et avec des élèves, avec des coachés au bureau, j'ai mis une petite synthèse à la confiance en soi et j'ai mis une équation parce que j'adore les maths. J'essaie de temps à autre de trouver les mécanismes du développement personnel d'une vision scientifique. J'ai mis une équation que j'ai nommée CS, c'est-à-dire confiance en soi. J'ai mis égal et j'ai mis une grande flèche vers le haut, c'est-à-dire maximiser la motivation plus minimiser la peur. Plus on n'est pas dans la peur et on est dans la motivation, on est confiant. Plus on est une personne qui a peur de tout et de rien, on est victime de la vie de l'autre, on a une estime de soi qui descend et notre image vis-à-vis de nous qui n'est pas top, on n'est pas du tout confiant. C'est vraiment c'est une logique. Oui, quelqu'un veut intervenir? Donc, s'il n'y a pas une question, on va attendre votre... Très bien, Rizlan. Avec plaisir, avec plaisir. Je vais voir avec Hanan. Donc, je reviens vers l'estime de soi. Et qu'est-ce que j'ai mis comme... Donc, l'estime de soi doit être accompagnée ou doit être liée à des attentes réalistes. Donc, quand c'est là où j'ai dit mes limites sont des blocages pour moi, mais je dois fixer des attentes ou fixer des objectifs qui sont plus ou moins réalistes. Je ne dois pas viser la lune et je sais que je suis limitée. Non, je peux rêver, mais je dois faire des objectifs atteignables. Donc, j'ai résumé l'estime de soi dans la psychologie. Déjà, j'ai mis tous les... je suis une personne qui n'aime pas trop les PowerPoint en présentiel. Mais vu à distance, c'est difficile d'animer un workshop en parlant. Parce qu'il vous faut un guide sur lequel qui va inciter votre déjà concentration et pour suivre, pour mettre des mots clés. J'ai essayé de choisir des définitions ou du contenu psychologique. Et donc l'estime de soi, c'est un terme qui désigne le jugement ou l'évaluation faite d'un individu en rapport à sa propre valeur. Lorsqu'un individu accomplit une chose qu'il pense valable, celui-ci ressent une valorisation. Et lorsqu'il évalue ses actions comme étant en opposition à ses valeurs, il réagit en baissant dans son estime. Selon certains psychologues, l'expression est à distinguer de la confiance en soi. Ce n'est pas la même chose, je viens de l'expliquer. Bien que liée à la première. Donc la confiance, c'est une résultante. C'est vraiment le sommet d'un grand travail qui commence par l'image de soi, passant par la confiance en soi, puis la confiance de soi, pardon, puis la confiance en soi. L'estime de soi, excusez-moi. Bien que liée à la première, est en rapport avec les capacités plus qu'avec des valeurs. Donc l'estime de soi, c'est vraiment les capacités. Ce n'est pas les valeurs. Et donc, j'ai mis ce petit graphe qui, regardez, j'ai mis, ça nous rappelle quoi exactement? C'est comme un électron, oui ou non, avec des champs qui ont une petite intersection, un champ d'intersection qui est vraiment l'estime de soi. Il y a la confiance, l'acceptation de soi, l'amour de soi et la vision de soi. Tous ces axes, quand ils sont là, l'intersection, c'est l'estime de soi. On est d'accord? Est-ce que c'est clair cette notion d'estime de soi et la confiance? Est-ce que c'est clair? Quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Parce que j'aimerais bien avoir vos feedbacks, comme ça j'ai eu visibilité. Ouais, donc, c'est clair, la notion de confiance avec l'estime? Parce que l'estime, quand il est là, on stresse moins.
quand l'estime de soi est vraiment, il n'est pas trop élevé, on subit le stress. Bien. Et donc, quand on parle de l'estime de soi, et quand on est dans l'estime de soi, on est tranquille, on est heureux, on est confiant, on gère notre stress, pardon, il n'est pas dominant. Et tout ça, quand on parle heureux, confiant, tranquille, on parle d'émotions. Et Nathalie, l'autre jour, a vraiment détaillé les émotions et a parlé de l'intelligence émotionnelle. On a même nommé ça une intelligence parce qu'effectivement, c'est une intelligence. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a vu ensemble ça, mais je vais quand même revenir sur quelques mots clés. Et donc, une émotion pour moi ou pour la psychologie en général, c'est une réaction affective, transitoire, d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement, à ne pas confondre avec sentiment ou sensation. Tandis que la sensation, donc les émotions c'est une chose, le sentiment et la sensation c'est une autre. Une émotion est un système d'information psychique, donc c'est le cerveau, c'est un signal et donc psychique, tandis que la sensation est un système d'information physique. Donc entre le cœur et le cerveau, c'est toute une histoire. Donc c'est une perception sensorielle. Un sentiment est basé sur un système de valeurs, donc sentiment lié aux valeurs. Il n'a pas de répercussions physiques et dure dans le temps. Donc on parle du sentiment, d'accord ? L'ihsas. Et dure dans le temps l'émotion, donc le mashaïr, est personnel à chacun et dépend de ce qui a été transmis par l'éducation, la culture, l'environnement et de ce qui a été vécu au cours de la vie. Donc, les émotions sont vraiment liées à un contexte, à une éducation. Et le sentiment, non. Le sentiment, c'est des valeurs. Et donc, il faut vraiment faire la part des choses parce que c'est un problème, c'est un travail sur les émotions et pas sur les sentiments. On va dire que les sentiments sont naturels. Si on a reçu un cadeau, on va être heureux. On va sentir l'amour. On va sentir, vous comprenez. Mais si si quelqu'un va nous laisser tomber, on va sentir le choc, la déception. Tout ça, c'est lié à un contexte. Et donc vraiment, il y a des personnes qui ont reçu un choc ou subi un choc ou suite à une séparation, mais arrivent à avoir leur audace à deux mains et disent que c'est bon, c'est un chapitre qui finit dans mon histoire ou dans mon livre, je commencerai le prochain, c'est bon, j'assume. D'autres non, ruinent dans des dépressions. Et c'est là où vraiment tout le travail doit se faire, c'est en gérant nos émotions. Et bien sûr, quand on va gérer les émotions et regarder les émoticônes, donc entre tristesse, on va pas entre les émotions de tout ce qui est bien ou toutes les bonnes émotions et les mauvaises, il y a tout un équilibre à faire. Et c'est un travail au quotidien. Il y a technique qui doit être là. Donc maintenant, on a parlé d'une technique de prise de conscience de l'estime de soi. On a cette capacité de nous connaître et de voir est-ce qu'on a une vision de soi, est-ce qu'on a un amour de soi, une acceptation de soi, pour voir est-ce qu'on a de l'estime, oui ou non. Puis on va passer, est-ce qu'on gère bien nos émotions pour arriver à la résolution efficace des... Qui peut me dire, s'il vous plaît, avant de parler un peu de cette carte mentale, qui peut me parler de conflits dans sa vie? Pour vous, c'est quoi un conflit? Et pour vous, c'est quoi le conflit qui vous dérange? Qui peut prendre la parole, s'il vous plaît, et me dire c'est quoi un conflit?
Est-ce que c'est lié à un environnement de travail ou c'est lié à un environnement personnel ou c'est les deux? Alors? Excusez-moi. Alors? Qui peut prendre la parole? Alors, pour vous, c'est quoi un conflit? Merci mes amis, bonsoir et vous. Il n'y a pas de problème, ça. Je te souhaite plein de courage. Allah ma'akarti. Merci beaucoup. Alors, qui peut me dire c'est quoi un conflit? Parce que parfois, la terminologie est importante pour le stress. Il y a des concepts qu'on banalise et c'est à travers ces concepts qu'on a un problème. Et si on est conscient de c'est quoi un conflit, on va mieux le gérer. Fatem Zahra ? Oui. Le conflit est une opposition entre deux ou plusieurs personnes qui se heurtent des idées et des opinions divergentes, tout simplement. Effectivement. Oui, excellente réponse. Il y a pas mal, il y a plusieurs personnes, des avis divergents, de l'opposition, oui, tout ça. Il y a une autre, merci Imen, il y a une autre réflexion par rapport au conflit. Quand je dis le mot conflit, pour lui, c'est quoi? Parce que chacun aussi a sa vision. Le conflit dans le domaine professionnel, c'est pas à la maison, c'est pas avec les enfants, c'est pas avec le mari, pas avec les parents et les collègues, bien évidemment. Donc, je reviendrai vers ma présentation et je vais voir. Donc, je vais agrandir. Voilà. J'ai mis cette carte mentale. Pourquoi? Parce que la notion de conflit est très vague. Et vu la contrainte de temps, je ne vais pas quand même tarder sur des sous-thématiques, mais quand même, c'est important de parler de ça, parce qu'en général, c'est les conflits qui nous stressent, pour être honnête avec vous. Donc, regardez, ici, on a insatisfaction, frustration, injustice, blessure morale ou physique, quand on est en colère. Ça, c'est lié directement à ce que je viens de dire par rapport à la gestion d'émotions. Mais d'accord. Il y a ici une adrénaline, c'est-à-dire une hormone, et il y a une énergie, quelque part, qui rentre. Je suis en colère. Il y a deux cas de figure. Soit je vais être dans le combat et je vais combattre, soit je vais fuir. Quand je vais fuir, c'est dépenser son énergie dans une activité sans lien avec la colère. Ou bien combattre, s'attaquer à l'objet de notre colère. À votre avis, je vais continuer, puis je vais discuter. Pour fuir, est-ce qu'on sublime? C'est-à-dire sublime et dépenser son énergie sur une activité créative, physique, sans lien avec l'objet en colère, ou bien imploser, c'est-à-dire ne pas dépenser l'énergie de la colère, mais l'accumuler à l'intérieur de soi. Ça, c'est pas bon. En rouge, on aura plusieurs colères enfouies, éclatant une fois, il est impossible de régler tous les problèmes en même temps, c'est-à-dire à force de fuir, et de développer ce problème d'imposer, on sera comme une petite bombe de l'intérieur. On va voir combattre. Combat destructif, c'est-à-dire décharger son énergie sur l'objet de sa colère en posant des gestes qui empirent le problème, c'est-à-dire à chaque fois, je mets le problème devant moi et je le combats. Tu as fait, j'ai fait, et je discute le problème qui m'a mis en colère. Ou bien je vais faire le combat constructif. C'est là, à ce moment-là, où je parle de gestion de stress. Parce que quand je suis en colère, je stresse. Il y a de l'adrénaline, il y a même
des hormones de peur, tout ça. Et donc, c'est l'adrénaline en quelque sorte, mais il y a même des hormones d'angoisse. Il y a pas mal de déséquilibre hormonal. Et donc, ce combat constructif, je vais l'utiliser des techniques pour gérer la décharge d'énergie fournie par l'adrénaline. Plus utiliser l'énergie en posant des gestes pour régler le problème. C'est là la meilleure solution. Possibilité de résoudre le problème si je passe par ça. Et si je continue, le problème sera non réglé. Avant de passer à la slide suivante, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes des personnes qui, selon cette carte mentale, si vous suivez ce chemin, vous pouvez régler vous? Je vous donnerai la parole. Allez-y. Oui, Fatima Zahra, c'est Nathalie. J'aimerais partager quelque chose. D'abord, j'aime beaucoup cette carte mentale. Je trouve qu'elle est, ludique. J'aime bien ce côté-là. Dans le fuir ou combattre, l'idée de sublimer, oui, transférer l'objet de la colère sur une autre chose, aller courir, aller taper dans un ballon, me semble être une des meilleures choses dans le cadre de la colère, parce que la colère, comme si elle est nécessaire, on va dire, elle peut être très dévastatrice si on y laisse libre cours, et pour soi et pour l'autre. Donc, oui. Sublimer peut me paraître une bonne solution, tout dépend de la personne. Si on ne se sent pas en mesure de combattre, il vaut mieux fuir et sublimer. Deuxièmement, imploser. Alors, imploser, tel que tu l'as décrit, parce que je n'arrive pas à lire là, avec mon téléphone, mais on appelle ça coller les timbres aussi, en analyse transactionnelle. Coller les timbres, c'est accumuler de la rancœur, accumuler tout un tas de colères très dévastatrices aussi, qui peut créer à long terme, ce que tu as dit en début de session, des maladies, des conséquences physiques assez problématiques. Ça, c'était pour la fuite. Maintenant, pour le combat. Le combat est, de mon point de vue, destructeur, c'est-à-dire, et ne résout rien, que ce soit la violence verbale ou la violence physique. Là, on est dans un mode presque animal, sans réflexion. Et donc, on n'a jamais vu des conflits qui se réglaient avec le combat. Jamais. Il y a toujours un dominant-dominé et on arrive toujours à la frustration, bien évidemment. Après, dans le combat constructif, il faut, à mon avis, intégrer que... comment je vais formuler ? Dans la notion de colère et de conflit, parfois, c'est juste une affaire de point de vue. C'est-à-dire que quand il y a malentendu, quand il y a plusieurs petits malentendus qui s'enchaînent et conflits après, c'est parce qu'on ne parle pas la même langue et qu'on ne voit pas la même chose du même point de vue. C'est le 6 et le 9. Je pense que tu connais cette métaphore du 6 et 9. C'est-à-dire que pour nos amis qui sont là, on dit, bon, on présente un 6, ok, il y en a, on met deux personnes l'une face à l'autre et on pose sur le sol un 6. Et on demande à une personne, ben voilà, qu'est-ce que vous voyez? La personne dit, je vois 6. Mais la personne qui est en face d'elle, elle voit le 9. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, c'est une divergence de point de vue. Et si on arrive, si on s'en sent capable à poser, à questionner et surtout à écouter l'autre, on arrive à dénouer. Et alors, je dirais peut-être pas combat, mais on arrive à s'écouter, à se comprendre et à régler ce malentendu. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Tout à fait. C'était très riche. Et en fait, tu as parlé presque de tout. Effectivement, quand on a ce combat constructif, où c'est les personnes qui cherchent l'exemple est pertinent du 9 et de 6, parce qu'à un certain moment, on a une vision opposée des choses.
Et si on n'arrive pas à trouver ce terrain d'entente, on aura un conflit. Et ça va finir par soit la colère, soit... Et donc, on veut éviter tout ça. C'est vraiment cette communication non violente ou bien cette bienveillance qui nous aide à s'écouter. C'est pas, on le dit en arabe, il y a un proverbe qui dit c'est-à-dire, même si on a des avis différents ou opposés même, ça nous gâche pas, c'est-à-dire ça ne rend pas les choses difficiles, au contraire, on s'accepte, c'est ça. Et donc, ce problème de conflit, cette notion de conflit, si on n'arrive pas à la gérer et à voir développer ce réflexe de gestion en permanence, à chaque fois, quand on a un problème ou un conflit, on dit que c'est la catastrophe, tout le monde doit s'arrêter, ça ne va pas nous mener vers l'anti-stress, mais on sera dans le stress. Et donc, du coup, tant qu'on travaille, tant qu'on sort de nos maisons, tant qu'on a des tâches et des responsabilités, on sera amené à vivre des situations où il y a des conflits, parce qu'on est différent. On pense de manière différente. Les visions sont différentes. On n'est pas placé dans la même ligne, peut-être, où on n'a pas la même longueur. Donc, ceci dit qu'on aura des résultats différents et des points de vue différents, ce qui nous pousse toujours à avoir cette tolérance. Si on est toujours dans la colère et dans la réaction à chaud et dans fuir et sublimer, imposer, on va être tôt ou tard dans le stress et dans les dépressions. Et pourquoi pas, comme a dit Nathalie, soit de la violence verbale ou bien physique. C'est ce qu'on veut pas. Aujourd'hui, vraiment, on parle stress pour éviter toutes les conséquences. C'est-à-dire, on ne veut pas que ça dépasse le stress. Au contraire, on veut être dans la bienveillance, dans l'harmonie, dans le bonheur. Et on veut éviter ce stress pour ne pas avoir des problèmes, que ce soit de santé physique ou psychique. Et donc, j'espère que pour le reste, pour les autres, ils n'ont pas... si vous avez des questions dans ce sens, n'hésitez surtout pas. Eh bien, on a parlé de l'estime de soi, on a parlé d'émotions, on a parlé de conflits. On ne peut pas être quelqu'un qui ne stresse pas sans parler du temps. Moi, personnellement, Nathalie tout à l'heure a dit que la carte mentale était ludique. Moi, je suis une professeure, bien sûr, de maths. Et les cartes mentales m'ont servi, à partir de Covid jusqu'à maintenant, à schématiser, théoriser, conclure, faire des résumés, tout en utilisant du visuel, des couleurs. C'est vraiment un moyen efficace, ludique et pédagogique. Et vraiment, je l'utilise souvent maintenant dans mes formations, surtout à distance. Le temps pour moi, comme étant une personne qui a fait sciences maths ou qui était toujours dans les projets, comme étant un ingénieur, puis comme étant prof de maths, je suis une personne qui responsabilise mes élèves au quotidien au facteur temps. Et en physique, vous le savez tous que des phénomènes qui sont très, très, très graves peuvent se produire en fractions de secondes. On parle de la mécanique, du nucléaire, tout, de la physique quantique. Et vraiment, la seconde a son poids. Et aujourd'hui, on ne peut pas être des êtres humains sur Terre et on ne développe pas des compétences pour gérer notre temps. Les 24 heures sont pareilles pour tout le monde. La journée est composée de 24 heures. Mais croyez-moi que chacun a sa perception et vision par rapport à ce temps. Malheureusement, pour les Arabes, globalement, sachant que je n'aime pas coller des étiquettes, mais on est des peuples, même les Marocains, on est des peuples qui prennent le temps à la légère. C'est-à-dire, à la Marocaine, on peut dire que, on le dit souvent, ou parfois, on te donne un rendez-vous d'ici une heure, et la personne vient après 30 minutes, c'est-à-dire après 1h30, elle te dit, c'est pas grave, c'est quelques minutes. Eh bien, les personnes qui ont cette qualité de conscience et qui gèrent mieux leur temps, ils disent non, 30 minutes, c'est grave. En 30 minutes, je fais ça pour moi, par exemple, prof de maths. 30 minutes, c'est la moitié d'une séance de maths.
à travers laquelle je peux faire carrément un cours ou corriger des exercices. Et donc, la notion de temps est une chose très, 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 très importante. Chacun a un réservoir ou un solde de temps qui commence dès la naissance, finit par la mort. Si on n'arrive pas à gérer ce solde ou ce capital d'une manière optimale, on rattrape beaucoup de choses dans notre vie. Et les personnes qui ne gèrent pas efficacement leur temps auront toujours des choses à faire à la dernière minute et c'est le stress qui s'installe. Donc, ces croyances négatives qui nous font perdre du temps, je manque de temps, tout est urgent, on ne me laisse pas le temps pour respirer, on ne peut jamais être tranquille. Ces croyances, c'est une programmation neurolinguistique et c'est du codage qu'on donne au quotidien à notre cerveau. Et bien sûr, il va développer cette capacité de dire « il n'y a pas le temps ». Je suis stressé, c'est urgent. Alors, il y a des clés efficaces pour mieux gérer son temps, peut-être établir des priorités, et je suis avec la gestion de priorités. Quand j'étais jeune fille, mes priorités ne sont pas pareilles quand je me suis mariée. Et quand j'ai eu des enfants, aujourd'hui, avec un enfant de 7 ans, c'est pas la même chose quand j'avais un bébé. Et même maintenant, en ayant deux enfants qui sont peut-être au primaire, ce n'est pas les priorités d'une maman qui a des enfants peut-être au lycée ou au supérieur. Et donc, cette liste de priorités est très, très, très importante pour éviter le stress. Planifier 70% de son temps, c'est-à-dire, comme je le dis à mes élèves et mes étudiants, la première chose de réussite pour éviter les freins de réussite qui sont la peur et le stress, c'est bien gérer son temps et c'est l'art de planification. Je l'appelle comme ça. Son emploi du temps. Je parle de l'élève. Quand on a un emploi du temps scolaire, je le prends, je l'imprime. Il y a des blancs. Il y a des périodes après l'école. C'est ces périodes-là que je dois bien gérer dès le mois de septembre en rentrée scolaire pour mieux préparer mon examen. C'est pas le J-10 que je vais commencer à dire c'est la période d'examen, je dois faire une préparation. Non, mais excusez-moi, ça se prépare dès le début. C'est un planning. Si et croyez-moi, j'essaie d'instaurer cette notion dès le collège chez mes élèves pour leur inciter à acheter un agenda ou bien un agenda avec des dates pour les sensibiliser à respecter un agenda de semaine, de mois et peut-être de trimestre et de semestre. Et bien sûr, avoir des objectifs clairs. Si on a des objectifs, aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire mon travail correctement, prendre un café avec mes amis, rentrer à la maison et faire un repas à mes enfants. Ma tâche de liste, elle est de 3 tâches principales. Si je les gère sans rentrer dans les créneaux, c'est-à-dire je ne quitte pas l'école tard, et du coup je ne raterai pas mon café avec mes amis. Et si je rate mon café avec mes amis, je serai frustrée, je rentrerai, je vais refuser de faire le repas à mes enfants, je vais peut-être commander une pizza ou quelque chose qui n'est pas healthy pour mes enfants. Et donc, ces objectifs clairs vont nous aider à gérer mieux notre temps. Garder 30% de son temps pour les imprévus, toujours garder un bon temps pour les imprévus. On peut avoir des urgences à n'importe quel moment. S'occuper d'une chose à la fois. Ça, c'est une chose, je le dis toujours, on dit que la femme, elle est beaucoup plus multitâche que les hommes qui sont monotâches, ça c'est une réalité scientifique. Par contre, si on a plusieurs tâches à la fois, on ne les fait pas d'une manière efficace ou excellente. Donc, finissons d'abord une tâche pour passer à une autre. Comme les objectifs. Fixons un objectif, faisons-le d'une manière excellente, puis passons à un autre. Mieux que de fixer plusieurs objectifs et en perdre la concentration. Puis, aménager son espace de travail, c'est important. Même si vous êtes à la maison, vous êtes une femme de foyer, ou vous êtes quelqu'un qui fait du télétravail, aménagez votre espace de travail. La cuisine doit être rangée. Tout est dans sa place pour être efficace. Au lieu de passer 30 minutes à chercher cette poêle ou ce bol ou je sais pas, ou le sel ou quelque chose. Si vous êtes organisé, vous avez tout votre matériel organisé, vous allez gagner en termes de temps. Limitez les activités, c'est-à-dire les activités qui sont
qui traîne. Alors, parfois, on a des activités qui peuvent nous bouffer 4 heures à 5 heures par jour. Il faut les éviter. Pourquoi ? Il faut les laisser une fois par semaine, une fois par mois. Comme ça, ça ne va pas impacter notre planning. S'accorder des pauses. Même si vous êtes une femme de foyer, je vous invite à faire des pauses. Prendre un café à l'extérieur, faire une salle de sport, aller faire des courses pour vous-même. Même si vous êtes en télétravail, ça ne veut pas dire que vous devez être collé à votre PC 10 heures par jour, non? Prenez des pauses. Comme vous êtes au bureau, savoir déléguer, c'est un art. Si par exemple, maintenant, je vais vous parler de mon cas. Aujourd'hui, je suis professeure, formatrice, coach, j'ai un planning très chargé. C'est vrai que j'ai sacrifié une profession avec 44 heures par semaine. Je suis beaucoup plus à l'aise en enseignement. J'ai des vacances avec mes enfants et tout. Mais quand même, je ne peux pas tout faire. Quand je rentre le soir et j'ai tout le désordre du matin, je ne vais pas m'en sortir. Je ne vais pas avoir une bonne énergie. Et donc, j'ai délégué ces tâches à une nounou qui met toute la journée à faire tout ça. Et quand je rentre, c'est l'ordre, c'est la beauté, c'est le calme. J'aime bien ça. Sachant que c'est un service payant, mais je suis bien dans ma peau et c'est-à-dire je gère bien mon énergie et mon temps. Au lieu de faire la vaisselle ou de préparer le dîner aujourd'hui, j'ai préparé ma formation en toute tranquillité et mes enfants qui ont déjà pris le repas, qui sont déjà dans leur lit, c'est une bonne chose. Et même j'ai délégué la tâche de faire dormir les enfants à mon mari, c'est pas grave de temps à autre. Et bien limiter les interruptions, c'est-à-dire quand j'ai des interruptions, je dois les limiter, ça doit pas devenir une règle dans ma vie. Qu'est-ce que vous, pour vous, c'est comment vous avez vu cette prise de conscience par rapport au temps? Je reviens vers vous pour vous donner la parole. Est-ce que vous êtes conscient de ce facteur temps? Rizlan, Iman, Sissamir, Mustafa, Fatima. Est-ce que, d'après tout ce que je viens de citer, vous êtes des personnes qui gèrent bien leur temps ou vous vous laissez, vous pouvez rater des semaines à la maison sans rien faire ou rater des semaines en travail sans rien voir, sans prendre de pause, de voyage? Quelques réponses, s'il vous plaît, avant de passer au conseil. Alors moi personnellement, salam alaikum. Comme salam madame Fatima. Alors moi personnellement, justement, on est tout le temps en train de me dire que j'exagère à toujours tout vouloir programmer et tout anticiper, parce que justement j'ai toujours peur des imprévus ou parce que j'ai beaucoup de choses à gérer en fait. Du coup, j'anticipe toujours beaucoup de choses en fait. Repas, ceci, cela, je fais des plannings, je fais des checklists. Justement, ouais. Pour éviter de stresser au dernier moment, en fait. En fait, vous êtes comme moi. Et même si les autres nous critiquent, parfois, on a l'impression d'être maniaque, oui ou non? C'est ça. Mais, à mon sens, d'après la science et le facteur temps dans la science, c'est la règle. Pour les autres qui sont dans l'extrême, qui ne programment rien, ils vont trouver qu'on abuse, alors que c'est la normale. C'est si on est peut-être dans une société occidentale où il y a cette conscience de gestion de temps, que ça soit, je ne veux pas dire donner des exemples, mais on sera dans notre, on sera normal. Moi, je suis en France personnellement, pardon. Voilà. Je suis en France. Voilà. Donc, vous allez sentir. Non, c'est moins choquant qu'au Maroc. Parce qu'au Maroc, quand je parle de 30 minutes d'attente dans une commune ou dans un service public, ils me disent « Mais vous venez d'arriver. » Normal. Je leur dis « 30 minutes, vous venez d'arriver ?»« Ah oui, les autres attendent il y a 2 heures. » Mais c'est quoi ça? Je suis toujours choquée par ça. Mais c'est une culture. Après, c'est une culture. Donc, il y a une personne, merci pour votre feedback, madame, et je vous encourage davantage de continuer comme ça, de garder vos checklists, c'est une excellente chose. Maintenant, il y a monsieur Mustafa qui me dit, alors un instant, je vais afficher les commentaires.
fait. Voilà. Il y a Monsieur Mustapha qui me dit avec excellence, je gère bien mon temps. Excellent. Donc l'expérience a eu un impact et vous gérez votre temps, c'est magnifique. Rizin me dit personnellement, j'ai toujours un problème de gestion de temps. Et ça, Rizin, tu dois être consciente. Et j'ai donné pas mal, j'ai donné 10 astuces ou 10 conseils pour mieux gérer son temps. Il faut travailler dans ce temps. Listez-les, écrivez-les et commencez à développer cette technique d'agenda ou bien de checklist, soit en cuisine, soit au bureau, soit dans votre voiture. C'est efficace. Donc, c'est les réponses que j'ai eues. Peut-être j'échoue parfois. Pour moi, c'est pas grave, je suis satisfait. C'est bien. Il n'y a rien de parfait dans la vie. Donc, c'est Samir, tant que vous arrivez à gérer, c'est une bonne chose. Donc, de temps à autre, on a ce problème d'injustesse ou bien de non-atteinte d'objectifs à 100%, mais on est mieux que d'autres. On est sensible et on est conscient de ce facteur temps. Pourquoi je vous ai... j'attire votre attention par rapport à ce point? Parce qu'effectivement, c'est un point qui est lié directement à quand on gère bien notre temps, on ne laisse pas des plans à la dernière minute et donc on évite le stress. Et si on évite le stress, ça veut dire qu'on est des personnes plus ou moins assertives. Et qu'est-ce qu'on veut dire par assertif? Favoriser, c'est une personne qui favorise la communication, affirme ses droits et ses limites, respecte la différence d'opinion, critique les comportements sans poser des jugements de valeur, atteindre ses buts en persévérant, en préservant les relations. Ça veut dire, si j'ai une relation, je peux atteindre mes objectifs, mais si l'autre personne n'a pas les mêmes objectifs, je tiens quand même à protéger et préserver cette relation. C'est une bonne chose. C'est ça, être assertif. En contrepartie, si je ne suis pas dans cette optique, je vais être soit agressif, soit soumis, soit un manipulateur. Et donc, contrainte de temps, je ne vais pas quand même poser plus de questions pour quand même finir le contenu. Si je suis agressif, je suis une personne qui dévalorise, critique, et c'est la critique destructive. Agresser, se moquer, ironiser, écraser, saboter, faire peur, tous ces verbes qui sont forts quand même, qui sont négatifs, on veut les éviter. Si on est agressif, on va subir du stress. Parce qu'on est tout le temps, on se culpabilise. Et donc, du coup, on est stressé. Soumis. Donc, je suis une personne qui se tait, qui se dévoue, qui fuit, qui évite, qui est passive. Et donc, si j'ai ce caractère, je vais toujours être dans la culpabilité, dans le gel de dette, dans je ne suis pas ouvert, je ne suis pas assertif, mais je suis dans la manque totale de confiance et la manque totale ou la perte de l'estime de soi. Peut-être je suis un manipulateur, ça aussi il faut l'éviter, ça, il y a de la méchanceté là-dessus. Menacer, manipuler, tromper, mentir, manigancer, et simuler. L'agressif, c'est quelqu'un qui peut-être qui ne sait pas gérer ses émotions avec ses réactions. Le soumis, c'est quelqu'un qui n'a pas l'audace, qui n'a pas le courage. C'est un lâche en quelque sorte. Par contre, le manipulateur, c'est quelqu'un qui n'a pas de bonne foi. Il y a de la mauvaise foi et de la méchanceté. Donc, il faut être conscient de ces trois caractères pour être vraiment dans l'assertif. C'est quelqu'un qui favorise la communication non violente, qui connaît ses droits et ses limites, qui respecte l'autre, qui est dans la critique, mais la bonne, la constructive, pas la destructive. Tout ça, si je vous mets aujourd'hui devant ces faits ou devant ces techniques ou vraiment ces petites grandes lignes rouges, c'est pour éviter un burn-out. Un burn-out en français, c'est vraiment c'est du surmenage. C'est le surmenage ou le burn-out, c'est quelque chose qui devient de beaucoup plus en plus familier. On est au boulot, on entend que quelqu'un ne vient pas, quand tu l'appelles, il te dit « je suis en surmenage, je suis en burn-out ».
soit au travail, soit à la maison, il faut qu'on soit accompagné. Si on se laisse aller, on arrive à l'étape de dépression. Et donc, le burn-out, c'est épuisé, je suis tout le temps épuisé, j'ai la boule au ventre, ça c'est le digestif, je n'en peux plus, même en dormant, je ne suis pas reposé, je suis à bout, vidé, je ne me supporte plus, mon travail, ma famille, mode survie. C'est vraiment cette batterie qui clignote, qui dit que batterie faible, je dois me mettre au chargeur. Et attention au burn-out. Quand vous vous sentez, vous avez ça, vous dites ça souvent, faites pause ou bien selon le test, dites stop. Comment vous allez dire ça? Si vous avez, vous êtes une personne active et qui travaille, c'est votre vie personnelle contre votre vie professionnelle. Et cette balance, elle n'est pas évidente, elle n'est pas facile. En arabe, on dit « sahl al-mumtani ». On a l'impression qu'on gère bien. Mais à un moment, quand on est excellent dans notre travail, « muta'allaqin », comme on dit en arabe, il y a le mari qui sort et qui dit « eh, wanti anania, tu es égoïste et tu fais que des réussites dans ton travail, mais en vie, on n'est pas satisfait ». En vie conjugale ou peut-être les enfants qui réclament leurs droits. Et donc, de temps à autre, il faut savoir écouter. Et c'est là où on définit les priorités. Il y a une maman qui a comme priorité ses enfants. Une autre qui met ses parents avant ses enfants. Parce qu'il n'y a personne qui peut s'occuper d'eux. Il y a les parents, puis les enfants, puis le mari, et puis le travail. Une autre, non. Elle n'a pas cette optique, elle n'a pas cette vision. Elle met le travail d'abord. Et tout est secondaire. Je ne peux pas vous dire qu'il y a une recette magique ou une réponse qui est idéale. Non, c'est du cas par cas. Comment trouver un bon équilibre entre travail et vie privée? C'est ce que je viens de dire. Définissez vos priorités. Puis, partez de ce principe. Puis, parlez à vos supérieurs. C'est-à-dire, quand vous êtes submergé, vous n'arrivez plus à gérer, parlez avec votre supérieur, j'ai besoin d'un congé. Je veux arrêter le travail pour écouter soit mes enfants, soit mon corps, soit mon mari, pour arrêter ce stress qui est de l'externe. Restez connecté durant la journée. C'est-à-dire, si vous êtes au travail, écoutez votre travail, vos responsabilités, oubliez la maison. Vous ne pouvez pas rester devant votre écran et la tête out avec la maison, ou le contraire. Si vous venez à votre maison, oubliez les problèmes devant la porte. Faites la part des choses. Limitez les distractions. Commencez à dire non. J'ai un atelier en coaching qui s'appelle l'art de dire non. C'est vraiment un art. Et vos enfants qui disent non souvent, c'est-à-dire à un âge bas, il faut les applaudir, pas les punir. Parce que ça, un enfant qui dit non, ça veut dire qu'il a du caractère. Ne faites pas taire ce non. Laissez-le. Parce que quand il sera grand, il va continuer à dire non. Il ne va pas être dans. Il va pas subir ou suivre. Prenez du temps pour tout, pour vous. Je le dis quand je fais des formations pour les femmes. C'est en général des thèmes de femmes. Je fais de temps à autre en présentiel des groupes. Et je parle de l'équilibre, tawazun, la roue de la vie. Et je le dis. Quand on est des salariés, des femmes salariées, je vais donner l'exemple, c'est idem pour les hommes. Les hommes, c'est encore pire. On a des salaires qui sont dispatchés ou bien splittés sur des tâches ou des responsabilités ou des factures. Et on oublie qu'on travaille, nous. On travaille, on dépense de l'énergie. En contrepartie, on n'a rien vers la fin du mois. Je dis souvent à mes participants d'atelier ou mes amis, quand vous touchez votre salaire, aujourd'hui c'est le 29 du mois, pensez à faire ça. Je vous invite tous à faire ça. Quand vous allez recevoir votre salaire le 1er ou le 2, prenez une partie pour vous, quitte à avoir 100 dirhams. Achetez quelque chose, partez en spa, faites une coupe, prenez une veste, avec un petit budget, quitte à prendre un café devant une belle vue, c'est-à-dire devant la mer ou devant une vue panoramique.
faites-vous régaler. Si vous le faites pas, il y a personne qui va le faire à votre place. Même si vous êtes une femme et il y a un homme derrière ou un mari, n'attendez pas qu'il fasse ça en permanence. Faites-le parce que si on le fait pour nous-mêmes, on est satisfait. Et quand on a cette satisfaction interne, on n'attend plus de l'externe. On n'est plus dans la demande. On peut-être donner, mais pas dans la demande. Et cette demande permanente à la satisfaction et au bonheur n'est pas du tout souhaitable. Parce qu'on va finir par la batterie faible et par le stress et le burn-out. Et donc, ayez ce réflexe de vous faire plaisir de temps à autre afin de donner et de rayonner autour de vous. Alors, on est arrivé à la fin de notre workshop que j'ai fait les mains et les pieds pour donner le maximum, vraiment, sachant que c'est vraiment c'est pas évident de rester connecté 2 heures ou 2 heures plus, mais j'ai préféré quand même donner un workshop complet, comme en présentiel, c'est vrai, avec moins de pratique, mais j'ai essayé de donner au maximum, comme ça vous sortez avec des réflexes et des techniques et des conseils que vous devez pratiquer. Donc, les conseils que je vais vous faire. Premièrement, le temps. Gérer votre temps, c'est vraiment une clé de succès. Une cause de stress, si vous le gérez mal, c'est une cause directe du stress. Dormez assez, la qualité du sommeil et la durée du sommeil sont importantes. Quand on dort à 10 heures du soir, ce n'est pas dormir à 2 heures du matin. À 2 heures du matin, on rate pas mal de glandes ou d'organes, de petits organes ou de mécanismes qui travaillent de 10 heures à 2 heures du matin. Si on les rate, ils ne vont pas faire leur travail et ils ne vont pas produire des hormones qui sont nécessaires pour notre confort, pour notre équilibre, pour notre bonne humeur. Prenez de temps pour bien manger. La nutrition est importante. Quand on dit nutrition, c'est le carburant du corps. Si on s'amuse à manger toujours à l'extérieur, à prendre des fast-foods, des gras, des sucreries, tout ça, ça peut ruiner notre système, que ça soit digestif ou notre physique, et ça impacte directement notre psychique et ça nous mène vers le stress. Faites des pauses. Apprenez à faire des pauses au quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel. Et en parallèle, faites de l'ingénierie financière ou l'épargne pour bien réussir ces pauses. Parce qu'une pause quotidienne avec un petit café dans un café de luxe, ça diffère d'une pause d'une semaine qu'on peut faire un week-end à Dakhla ou à Tanger. Ça diffère d'une pause mensuelle où on peut carrément voyager ou à l'extérieur, donc partir à l'étranger. Donc, si vous arrivez à gérer votre temps et votre argent, vous pouvez faire de pauses de qualité. Ça ne veut pas dire que le facteur matériel peut être une… On peut faire des pauses et on n'a pas un grand budget. C'est vraiment la qualité de la pause. Apprenez à dire non, c'est un art. Définissez ce que vous faites du bien, c'est-à-dire les choses que vous faites, qui vous font du bien, développez-les et mettez-les dans votre planning. Faites de la relaxation. Apprenez à mieux faire du yoga, la respiration ventrale, la luminothérapie. Il y a pas mal de thérapies qui vont avec. Ou bien pour les musulmans, apprenez à faire de la prière, mais dans les règles de l'art. Lire du Coran, écouter de la musique, tout ça, ça peut rentrer dans le cadre de relaxation, des exercices de méditation, partir devant la mer et écouter le son de l'eau, ça peut être une source de relaxation. Changer d'attitude. Si on n'est pas dans le changement et dans le développement personnel, on ne va pas toucher à une bonne gestion de stress. Parce que c'est une chose qui est en permanence avec nous. Et donc, soit on change positivement, soit on est dans la résistance et la zone de confort et c'est le stress qui s'installe. Dernièrement, identifier l'agent de stress. À chaque fois qu'on est stressé, c'est quoi la source ? Ça, tout à l'heure, était clair.
c'est à cause de maladies de famille qu'elle est stressée. Imen, elle stresse par rapport au travail. Elle a des formations. Donc, on le lie à un facteur pour gérer le facteur afin de diminuer le stress. Ça doit être comme un mécanisme. Et donc, je reviens vers quelques clés, mots-clés. Soit la relaxation, le sport, les techniques de respiration, l'hypnose, la psychothérapie, la sophrologie, le yoga, les massages anti-stress, le training, autogène, les médicaments parfois parce qu'on touche le burn-out et il faut prendre du magnésium ou carrément des anxiolytiques. Donc ça dépend. Le réveil par la lumière, autre traitement, j'ajoute la prière pour les musulmans, mais dans les bains, quand je parle prière, c'est vraiment une connexion avec le bon Dieu, avec la source. La lecture du Coran, la musique, tout ça, on peut l'ajouter comme des solutions pour mieux gérer notre stress. Et donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pu donc répondre à toutes vos attentes de ce workshop. Je vais vous donner la parole pour me dire si vous avez des questions, des remarques, ou c'était clair dans l'ensemble. Donc, merci Hanan pour cette occasion. J'étais très contente d'animer ce workshop pour nos participants d'aujourd'hui. Et je vous laisse la parole. Je tiens à te remercier. Merci infiniment, Fatem Zahra. Et tbarakallah alik. C'était très pertinent, très riche. Merci infiniment. Merci encore pour ta générosité, pour ton temps et pour tes efforts. Merci beaucoup. Merci à tous les participants qui ont enrichi le partage. Merci beaucoup et je laisse la parole aux autres participants. Si vous avez des questions ou des remarques, un feedback pour clôturer notre soirée. Alors Fatima Zahra, moi je voudrais intervenir et te faire un feedback. Je n'ai plus de batterie, donc mais je tenais à te faire un feedback avant. Merci beaucoup. Écoute, j'ai beaucoup apprécié le temps que tu as consacré et l'énergie et la pédagogie que tu as mis dans ce webinaire. Il se trouve en fait que ce webinaire est arrivé à point nommé parce que demain, pour 2 jours, j'anime une formation sur la gestion de stress. Tu vois, donc quand j'ai vu la thématique, j'ai dit c'est un signe ça. Et donc tu m'as conforté dans mon fil conducteur en fait. Donc merci pour ça. Tu vois, moi je suis pas très douée dans la carte mentale. Je garde ça en fait à l'esprit. Je trouve que c'est très très clair, j'aime beaucoup l'idée. Je partage avec toi toute la presse, il n'y a pas de problème. Ouais, j'aime beaucoup cette carte mentale sur la colère. Franchement, je trouve que c'est très très pédagogique. Voilà. Quoi dire de plus? J'ai beaucoup apprécié. Peut-être que le seul bémol pour moi, ce serait le temps. oui, c'est ça. Tu vois, c'est le temps. Digital, si on était en face-to-face, en salle. Non, c'est clair. Je comprends que ce n'est pas évident, que la thématique, tu as voulu nous donner tellement que, pour rien oublier, parce que la gestion stress, il y a tellement de facteurs, tu es obligé de faire comprendre au début, tu es obligé d'expliquer, c'est normal. J'ai beaucoup apprécié et je te remercie. Je remercie Hanan aussi. Pour cette initiative, encore une fois, je serai, Inch'Allah, au rendez-vous pour le prochain. Merci beaucoup. Nathalie, merci pour ton feedback. Je quitte parce que là, c'est mort. Sinon, c'est mon téléphone qui va quitter. Merci. Très bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Les autres ?